Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur News Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout, abonnez, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, est-ce que avoir une copine, c'est recommandé, c'est conseillé, un copain, une copine, est-ce que c'est une bonne chose? Quelqu'un va dire que oui. Dans la mesure où vous allez vous soutenir, vous allez faire certaines choses. Ok. Mais que nous dit la parole de Dieu? L'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. À sa femme. Les deux formeront une seule chair. Waouh! Mais dites-moi, on dit sa femme, on ne dit pas sa copine. Comment ça se fait que les gens vont directement vers leur copine? Mais ce qui est étrange, c'est que dans la parole de Dieu, là, on nous a dit que dans le passé, là, les gens, avant de s'unir avec les femmes, avant d'être avec les femmes, là, ou avec la fille de quelqu'un, là, il faut forcément qu'il y ait une rencontre avec les parents. Pourquoi aujourd'hui ces choses-là ont disparu? Et les gens sont forcément obligés d'être dans les histoires de copines, dans les histoires de mon copain. Maintenant, ce qui est marrant, à un moment donné, là, ils disent, ils appellent ce dernier-là mon ex-copain. Ou bien, mon ex-copine. Hein? Donc, ça veut dire que toi, c'est comme ça, quoi. Pour toi, après, là, c'est pour appeler ça ex. C'est pour appeler ça ex. Ce Dieu-là, ça n'existe pas. Ce Dieu, ça n'existe pas. Ce genre de choses, ça n'existe pas. Si tu t'es marié, la première femme avec qui tu t'es marié, là, ça sera ta femme et elle devra rester ta femme toute la vie. Hey! C'est pourquoi il est très difficile de s'unir avec une femme. Vous voyez que déjà qu'il y a un problème. Ça veut dire que cette histoire de S, de copain, de copine, malheureusement, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'approuve pas ça. Hey! Pourquoi tu ne consultes pas Dieu directement? Pourquoi Dieu te dise que telle ou telle femme, c'est ta femme? Ou ce ne l'est pas? Dieu te parle. Dieu va te dire qui est ta femme. Tu n'as même pas besoin de te fatiguer. Et cette femme-là, si tu as écouté Dieu, tu as eu cette femme-là, elle ne va pas te compliquer la vie. Je te le dis. Tu n'auras même plus besoin de chercher une autre femme. Ça sera la bonne. Pourquoi? C'est parce que ce Dieu-là, il n'y a pas de ex. Les copains, là, ça n'existe pas chez Dieu. Tu veux marcher comme Dieu. On parle de ceux qui veulent marcher vraiment comme Dieu. Hein. Si tu veux marcher comme Dieu veut, là, ex-copain-là, ex-copine-là, qui est dans ça? Qui est dans les histoires de femmes? Accroche-toi à Dieu et laisse Dieu lui te montrer la femme de ta vie. Parce que, bien, même excusez-moi, même si Dieu lui-même, vous savez que même si c'est Dieu lui-même, vous voyez que chez Dieu lui-même, là, ce n'est pas possible d'avoir un ex, hein, d'avoir même les femmes et puis laisser les femmes aller marier une autre femme. Non, ça même là, ça n'existe pas chez Dieu. Et cette règle-là, ça n'existe pas également dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, là, avant de coucher avec une sirène, il faut obligatoirement se marier avec elle. Obligatoirement! Mais dans le monde des ténèbres, là, cette règle existe. C'est la loi de Dieu même à atteindre le monde des ténèbres. Parce que c'est un hasard. Parce que c'est un hasard. C'est le sataniste qui nous a dit que dans le monde des ténèbres, lui, là-bas, il devait faire quoi? On lui a, ça dit pour grandir dans le monde des ténèbres, dans le satanisme, on l'a obligé à faire, avoir quoi? À avoir un rapport sexuel avec une sirène. Et cette sirène, nous l'a condamné, nous l'a dit, si tu veux avoir des rapports sexuels avec moi, il faut obligatoirement te marier avec moi. D'abord même, au départ même, elle a refusé. La sirène qui est un démon là, elle refuse. Elle a refusé ça. Voyez-vous? Mais comment se fait-il que des humains font beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes? Et voici qu'il a été obligé de se marier avec elle. Ça veut dire qu'avec la sirène, il y a des complications. Et la sirène lui a dit, tu t'es marié avec moi là, il faut savoir que moi là, quand on me marie là, on ne me divorce pas. On ne se sépare pas de moi facilement. Tu m'as marié, c'est pour l'éternité. Et si tu t'amuses à voir une autre femme après moi sur la terre, tu auras des problèmes. Ça, c'est une loi qui existe. C'est une loi qui existe. Mais dites-moi, un homme qui est dans les histoires de copain, copine, qui change de copine chaque mois là, qui change de copain chaque mois là, que va-t-il t'arriver si un jour tu tombes sur une femme qui est sirène, qu'elle ne t'a pas dit qu'elle est sirène? Voici l'histoire qui va se passer ici.
ça va vraiment vous choquer. Voici un homme. Un homme qui s'est rendu un jour dans les bars, dans un bar. Et dans ce bar-là, il a rencontré qui? Une femme. Il ne sait même pas d'où elle vient. Il ne s'est même pas présenté à elle. Elle ne s'est même pas présentée à lui. Du coup, au premier coup d'œil, les deux étaient séduits. Et voici, ils sont ensemble. Et du coup, ils se côtoient, ils sont devenus gens comme copains et copines. Mais l'homme là, lui là, il passait tout son temps à changer de copine chaque mois. C'est-à-dire chaque mois à sa copine. Mais il ne savait pas qu'il venait de tomber chez qui? Une sirène. Et cette sirène en question là, elle là. Vous savez déjà la règle, non? On ne la trompe pas. Tu ne peux pas être avec elle et avoir une autre copine. Et on ne la laisse pas aussi. Une fois que tu as elle, tu es avec elle pour la vie. Voici que ce jeune-là va se tromper et tromper la sirène avec une autre fille. Quand il va tromper cette sirène, il ne sait même pas que c'est une sirène. Il ne sait même pas. Comment tu vas savoir ça? Comment tu vas savoir? Quand il va tromper la sirène, vous savez ce qui va se passer? Ok. Dès qu'il arrive à la maison, là, automatiquement, dès qu'il arrive à la maison, après avoir laissé la fille là chez elle à la maison, là, il arrive là et vous savez ce qu'il voit? La fille qu'il a laissée, avec qui il vient de tromper sa femme sirène. Parce qu'il voit la fille là chez lui à la maison, assise sur son fauteuil qui l'attend. Alors qu'il vient de la laisser là-bas, hein. Comment ça s'est fait? C'est pas possible. Elle allait chez elle. Comment ça s'est fait qu'elle va revenir encore chez lui à la maison? Et elle lui dit, bonjour chérie, tu m'as manqué. Il dit, il était étonné, il a sauté sur lui. Comment ça s'est fait que tu es ici? Faut sortir, pardon. Moi, j'ai une copine déjà à la maison ici. Faut pas te voir, sinon tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes avec qui? C'est avec qui elle aura des problèmes. Et sa copine qui est devant lui là, celle même qui était assise sur le fauteuil, c'était qui? C'était sa femme sirène. Mais lui, il ne sait pas que c'est une sirène. Quand elle s'est transformée devant lui, et elle a pris la forme de sa femme sirène, il était étonné. Il n'a jamais vu ça. Il voulait fuir. Dès qu'il a fui, il a quitté la chambre, il a quitté le salon, l'être pour arriver dehors là. Elle est apparue devant lui là-bas. Il dit, hey, tu vas où? La fille que tu viens de rencontrer là, c'était qui? Donc tu veux me tromper? Hein? Toi, il est là maintenant. Il a peur. Il a peur. Il voit qu'il est face maintenant à un démon, à une créature qui n'est pas humaine. Tu changeais de copine chaque mois, non? Maintenant, voici ce qui t'arrive. Et ce démon-là, cette sirène-là, lui a dit, à l'heure où je te parle, là, ta copine, celle que tu viens de rencontrer, là, elle est décédée. Tiens son sang. Il faut boire son sang. Elle a fait sortir une coupe. Et il y avait le sang de cette fille-là dans ce sang-là. Elle l'a donné à boire et elle-même a bu de ce sang. Elle dit, désormais, toi et moi, nous sommes unis pour la vie. Si tu essaies de faire ça encore, tu vas mourir. Et voici comment ce jeune-là, il était condamné. Il était dans une situation bizarre. Mes frères et sœurs, toi, mon frère qui regarde cette vidéo, qui passe ton temps à changer de copine, dis-moi, quelle serait ta réaction à ce niveau? Quelle serait votre réaction à ce niveau? Quelle serait votre réaction? Comme quelqu'un m'a dit, tu vas courir, tu vas pas vu ce qui s'est passé. Quand tu cours et que tu te mets de l'autre côté là, comme dans les films, elle apparaît devant toi. Tu as fui pour aller où? Tu as couché avec elle, non? Vous êtes unis par le sang directement par là. Tu n'as pas couché, tu ne sais même pas marier la fille. Tu as une copine, tu couches avec elle. Tu ne sais pas que quand tu couches avec une fille là, il y a échange de sang. Il y a échange de sang, vous échangez le sang. Parce que le sida là, c'est venu d'où? Ce sont les démons même, généralement même, qui balancent le sida à cause du sang. C'est pour créer des problèmes que le diable envoie cette histoire de copain, cette histoire de copine. C'est pour te créer des problèmes. Et puis après, tu vas l'appeler ex là. Tu sais qu'elle est... Oh non. Voyez-vous, c'est pour vous compliquer la vie que le diable envoie cette scène de copine. Et comme vous voyez, tu appelles la copine, hein, mon ex-copine. Certains me vont plus loin pour dire mon ex-femme. C'est quoi ça? Ce sont des choses que l'homme ne doit pas faire. Si vous ne savez pas ces choses, nous devons vous le dire. Si Dieu lui-même, a dit que ces choses-là ne lui plaisent pas, là, c'est parce qu'il y a des problèmes dedans.
C'est pour éviter tous les problèmes là. Que Dieu lui-même, il a dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Et une seule femme, hein, pas deux femmes, une seule. Là encore, il y a problème. Une seule. Mes frères et sœurs, que devons vous dire de plus? C'est un témoignage tout compliqué. C'est pour vous aider que Nyons Reborn est née. Et c'est Dieu qui a permis cela. Regardez la vidéo que nous avons déjà faite. Vous allez tomber sur des témoignages comme ça. C'est vraiment trop compliqué dans ce monde où on se trouve. En fait, l'homme pense que dans le monde où nous sommes arrivés là, c'est pour se réjouir, seulement pour fêter, s'amuser. Est-ce que s'amuser, c'est mauvais? C'est bien. Mais pendant que tu es en train de t'amuser là, il y a des démons qui sont en train de... Le diable lui-même, il était de préparer un faux coup derrière ton dos. Tous les jours, c'est comme ça. Si tu n'as pas Jésus-Christ, comment tu vas faire? Ça veut dire que dans ce monde, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu appartiens au diable directement. Si tu ne vas pas à l'église, tu ne pries pas là. Tu n'as pas une vie de prière là. Il faut savoir que déjà même là, tu appartiens au diable. Parce que lui, il se dit que tu as une proie facile. S'il veut te tuer, il peut te tuer même tout de suite là. Mes frères et sœurs, acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Apprenons à marcher comme Dieu veut. Ça va nous aider. Je compte sur vous pour vous abonner à ce service et activer la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. À bientôt. Et on se revoit. Que Dieu vous bénisse et que vous garde.